Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une belle journée. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Ici, je vais faire une petite danse pour les signes du Sagittaire, signe de feu pour la fin de l'année 2023 pour les célibataires. Oui, les gens qui sont célibataires sous le signe du Sagittaire. Ici, je vais vous sortir une petite carte, juste une. Après, je vais vous lire le résumé de cette carte-là, ici qui est dans mon oracle du langage amoureux. OK, pour vous les Sagittaires, pour les gens qui sont célibataires, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour d'ici la fin de l'année 2023? Peut-être début 2024? L'ouverture. Pour l'ouverture, je vais vous lire le petit résumé pour la carte. Possibilité, opportunité, déclic. Une ouverture se produit, les choses changent, bougent, évoluent positivement. Pour ton plus grand bonheur, de nouvelles opportunités se font jour pour toi. Si tu as l'impression de stagner dans une situation, cela va bientôt changer. Si tu es célibataire, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres peuvent se présenter à toi. Ce sera comme une évidence. Si tu es déjà en couple ou que tu penses à une personne, une ouverture de cœur permet à la relation de passer à un stade supérieur. Un déclic se passe pour vous deux et la situation se décante positivement, offrant ainsi une toute nouvelle perspective. Mais pour les célibataires, nouvelle rencontre, bien le fun. OK, fait qu'ici, je vais commencer le tirage avec mon oracle du Petit Lenormand. Pour vous, les Sagittaires, signe de feu pour les gens qui sont célibataires, est-ce que vous allez rencontrer d'ici la fin de l'année 2023. Ici, on a l'ours. La force, avec la force, la confiance, vous allez y arriver. Continuez de croire en vous. Vous allez atteindre vos buts. Et la force, et l'ours, c'est une belle rencontre amoureuse. OK, ici. On a le cœur, l'amour, la belle carte. Passion, romantisme, amour, bonheur. Nouvelle rencontre amoureuse avec l'ours et le cœur. Pour vous les Sagittaires, ici on a la lune. C'est sûr que vous avez des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes, vous avez des peurs, vous êtes prudent. Vous marchez à pas de loup. Mais on dit rester positif. Par rapport à la lune pour les Sagittaires, réunion, fête, rencontre, le beau jardin. Ici, vous allez probablement être invité. Vous allez peut-être rencontrer la personne dans un endroit public, dans un jardin, au restaurant, dans un endroit public quelconque. Ça peut être une fête. N'importe quelle fête ou réunion d'amis, quelque chose comme ça. Ici, par rapport au jardin, on a la tour. La tour, je te dirais, peut-être la solitude, vous faire sortir de votre solitude, de votre haute tour. Ici, avec le jardin, c'est sûr qu'il faut sortir de chez soi. Faut rencontrer des gens. Si vous avez une invitation amoureuse, allez vers cette belle rencontre pour sortir de votre solitude. OK, je vais changer de jeu. Pour vous, les Sagittaires, signe de feu. Pour les célibataires, bien sûr, sous le signe du Sagittaire. Ici, avec l'ours, est-ce que c'est positif pour vous? Responsabilité. C'est difficile.
Vous avez beaucoup de responsabilités. Au travail, à la maison, c'est lourd. On dit de déléguer. Laissez-en un peu aux autres. Aux enfants, peut-être. Peut-être trop de responsabilités par rapport aux enfants, l'école, le travail et tout ça. Par rapport à votre nouvelle rencontre, des fois c'est difficile de rencontrer quelqu'un de nouveau parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on n'a pas beaucoup de temps libre aussi. Avec le cœur, est-ce que c'est positif pour vous? Le jackpot, l'abondance, la belle abondance, belle rencontre amoureuse, côté sentimental, c'est le jackpot. C'est pas nécessairement des sous, mais c'est plein d'amour. Ici, avec la lune, malgré vos peurs et votre prudence, est-ce que vous en allez vers du positif? Ici, on a la dame mature, la dame qui pourrait vous conseiller, peut-être une amie, une mère, une tante, qui serait là pour vous conseiller par rapport à vos peurs et tout ça. C'est sûr que quelquefois, c'est un peu difficile d'aller à l'encontre de quelqu'un de nouveau. Est-ce que c'est positif pour vous par rapport que vous avez eu de l'aide ou que vous pouvez en parler avec quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'est positif pour vous par rapport à la dame? Ça va être quand même assez rapide. Ici, on a un homme riche, mais c'est rapide. On dit encore homme riche, des sous, tout ça côté monétaire, mais sinon, ça va aller vite. Le fait que vous allez en parler avec quelqu'un, ça va faire accélérer les choses. Est-ce que vous allez être avec quelqu'un qui va avoir des sous, qui va être bien côté monétaire? Ça se peut aussi, mais ça va monter vite l'abondance côté cœur. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, en tout cas, qui est bien monétairement puis qui est bien placé dans sa vie, c'est peut-être un boss de compagnie, peut-être une entreprise, il a sa propre entreprise, peut-être aussi, mais aussi c'est la carte de la rapidité. Par rapport à que vous allez en parler avec quelqu'un, ce qui va peut-être vous aider à prendre votre décision plus rapidement. Et si vous avez une belle invitation avec le jardin, est-ce que c'est positif pour vous les Sagittaires? La dame, si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme qui est quand même accomplie, qui est bien dans sa vie, qui est bien financièrement, qui est bien dans son cœur, dans sa tête et physiquement. Si vous êtes une femme qui m'écoute aujourd'hui, c'est vous, la belle dame accomplie. Vous êtes bien, vous êtes quand même quelqu'un qui est sereine, qui est heureuse et tout ça, même si vous êtes seule. Ici, avec la grande tour, sortir de sa solitude, est-ce que c'est positif? Enfin, nouveau départ, naissance, nouveauté, nouvel amour qui s'en vient dans votre vie, probablement quelqu'un de plus jeune que vous ou peut-être un petit peu moins mature que vous, mais il y a quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie. Est-ce que cette personne est positive pour vous? Le soutien. Mais moi, je dis avec cette personne un petit peu plus âgée, parce qu'elle a les cheveux blancs puis une barbe blanche, je dirais ça va peut-être aller tranquillement. Ça va être lent peut-être, on dit peut-être prendre un recul aussi, pour mieux voir, pour mieux réaliser ou pour mieux voir la situation ou analyser la situation. Ici, je dirais peut-être un moment de lenteur. Ça ne sera peut-être pas vite. Ça va y aller un jour à la fois. Sortir tranquillement de sa haute tour, de sa solitude, de sa routine et tout ça. Ici, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport après avoir pris un moment de recul pour mieux réfléchir? Ça vous stresse. Ça vous stresse jusqu'à un point là de quasiment vous rendre malade. Mais on dit laissez-vous aller. C'est pour ça que c'est long. On dirait que vous avez peur de rencontrer quelqu'un. C'est pareil comme si ça avance pas comme vous voudriez. Il y a quelque chose qui bloque. Je dirais peut-être début burn-out, sans être obligé de prendre des médicaments, mais quelque chose qui vous stresse. Est-ce que par rapport à l'enfant,
Et ici, l'hôpital, est-ce que c'est à cause que vous avez un enfant malade? Est-ce que vous avez un enfant qui est à l'hôpital? Ou un enfant qui a de la difficulté, des fois qui a des retards, des choses comme ça? Ce qui va être plus lent par rapport à la démarche pour rencontrer quelqu'un? C'est peut-être ça qui vous fait peur un peu aussi. C'est pour ça que vous avancez à pas de loup, doucement. Par rapport à ça, par rapport à la maladie et tout ça, est-ce que vous en allez vers du positif? Le mariage, l'union, le partenariat, la belle entente. Vous allez finir par rencontrer la personne. Union. Officialisation de la relation. Ça va être quand même une relation qui est basée sur la stabilité du long terme et tout ça, basée sur des bases solides aussi. Avec le mariage, ce n'est pas quelque chose de léger. Probablement que cette personne, ça va être la personne qui va être avec vous pour un bon bout de chemin. Et je te dirais, si c'est votre enfant qui est malade, ici avec la personne qui était plus âgé un petit peu, c'est peut-être un soutien que vous allez avoir de quelqu'un de plus sage et de plus un petit peu plus vieux que vous, mais pas beaucoup. C'est peut-être lui qui va vous aider ici avec votre enfant qui est peut-être hospitalisé ici. Et je te dirais, la tour, ça peut être un hôpital aussi. C'est le fait que des fois, on est souvent à l'hôpital, ça devient un peu comme notre petite prison par rapport à un enfant qui est malade. Mais là, je crois que vous allez avoir le soutien de cette personne-là par rapport ici à l'engagement, le couple et tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui travaille dans le côté hospitalier? C'est quelqu'un qui peut-être qui va vous aider par rapport à votre enfant. Si tu es un médecin, un infirmier, quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez rencontrer votre futur amoureux, dans le côté hospitalier aussi, peut-être, qui sait. OK, là-dessus, je vais arrêter. Et si vous avez des doutes, mais on dit le bonheur est à votre porte. Et si vous êtes un peu désespéré, ça, c'était vos cartes à l'endos du deck. Mais ici, on dit bonne fortune, le bonheur, la joie, la sérénité. Ici, vous allez aller vers quelque chose de beau, un beau bonheur, un beau soleil qui s'en vient pour vous. Succès, victoire. Ici, relevez-vous et avancez et croyez que l'amour existe encore pour vous. OK, je vais vous sortir une petite carte d'ange. J'avais le goût de vous... je vais reprendre ces cartes-là. Ici, c'est mon tarot des anges. Par rapport pour vous, les Sagittaires, sous le signe du Sagittaire, pour vous, les célibataires, ici, un petit message de l'au-delà, de vos anges, de vos guides, un petit message pour vous aujourd'hui, par rapport à votre vie sentimentale, pour vous, sous le signe du Sagittaire, le 5 de la prospérité. C'est un peu la carte d'aider quelqu'un. D'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Des fois, ça peut être lourd un petit peu. Je vais vous lire la carte. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin d'une main qui se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte. Moi, ici, je dirais, c'est un peu le résumé de cette carte. C'est un peu la même carte qu'ici, avec l'enfant. Ici, vous allez avoir de l'aide, tendez la main à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à passer à travers. Peut-être un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, qui sait. Là-dessus, je vais vous laisser. Ceux qui ont aimé, vous avez juste à partager et liker, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Merci, bye bye!